לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת אמיל מאיר ולברכת משפחת הבר מצווה ורדית וגיא שחמון ותומר. הלוך לגמרא, אל פוזיין קייסטיון סיור למשנה. איליה סופרק דו מסכת שבת כי ספל במה בהמה יוצאת ובמה אינה יוצאת. וסווה כאיליה לאיסור שבת דהוצאה. On n'a pas le droit de transporter un objet d'un endroit privé à un endroit public ou d'un endroit public à un endroit privé. Ça s'appelle hotsa'a. Alors, et le, le, le digne de hotsa'a, il s'applique aussi non seulement pour les, les, les êtres humains, mais aussi si quelqu'un a une béhéma, il a, il a un mouton, il a un âne, il a un chameau. Il y a aussi, de, La béhéma aussi, elle n'a pas le droit de sortir avec n'importe quel objet. Par exemple, autrefois, pour les béhémotes, on mettait comme des objets de, de, de beauté pour la béhéma, hein, pour, pour la rendre plus belle. Alors, elle pouvait sortir uniquement avec un objet qui était nécessaire. Des fois, on lui mettait une corde, et des fois, la corde, c'est pour l'attraper ou pour la pour la garder quelque part ça c'est permis Avallim zel mais si c'est juste un, un collier de beauté ce n'est pas ce n'est pas autorisé et c'est ce que la Mishnah, euh, la mishna dalet elle dit elle dit velo bertsua ben karnaha et la Mishnah elle dit parato she Eli eliezer ben azaria haïta, yotzet bertsua she ben karnaha la para, la vache de Rabbi El-Azhar ben Azariah, elle sortait le Shabbat avec cette, cette corde qui n'était pas nécessaire chez son Hachamim. Et Hachamim, il n'était pas content pourquoi Rabbi El-Azhar ben Azariah il laissait, il laissait sa, sa behéma sortir avec, avec cette corde. Maintenant, la Gemara, elle pose une question Parato chez Rabbi El-Azhar ben Azariah Parce que si tu dis le terme parato, c'est comme si Rabbi Azar ben Azaria il avait une seule vache. Ve para ha La Gemara, il pose la question. Est-ce que Rabbi Azar ben Azaria il avait une seule vache? Ve Amar Yes. Euh, voici que Ravi l'a dit. Ravi Amar il a dit au nom de Rav. Oh, « Très al alfé, wow. réglé Haya. Mais Aser. Rabbi El-Azar ben Azaria, Edre, shata shata. Rabbi el azar ben Azaria, quand il faisait Maaser Behema, il donnait 12 000 têtes de, de moutons. Alors imaginez-vous, 12 000 c'est juste le 1 dixième. Alors si on fait le calcul, il avait un troupeau de 120 000 moutons, il devait donner le Maasser, il donnait 12 000. Alors, euh, Tosfot là-bas, il pose une question. Mais Rabbi el ben Azaria, il était après le temps de Betamigdash. Après Hurban Betamigdash. Alors, Alors euh, il n'y avait pas la mitzvah de, de, de donner Maaser oui, Behema. Et Tosfot oui. là-bas, il répond. Oui, parce que après le Hurban Betamigdash, après les gens, ils ont continué de faire le Maaser. Et après, plus tard... Hachamim, ils sont, ils sont venus, ils ont annulé cette halacha, ils ont dit, tant qu'il n'y a pas Amikdash il n'y a plus de mitzvah de Maaser. Alors en tout cas, et, et la gmara, d'autres gmarot ils racontent que Rabbi Azar ben Azaria, il avait des milliers et des milliers d'employés dans, dans plusieurs villes. Il avait des villes et des, et des villages qui lui appartenaient complètement à lui. Alors on voit, alors que ça veut dire parato, comme s'il avait une seule para. Alors, la Gemara, elle répond comme ça. Tana, on a étudié. lo Quand la Mishnah, elle dit, parato ne on parle pas que cette para, cette vache, elle lui appartenait. Elle appartenait à sa voisine. Il avait une voisine, haïta. Et parce que il ne lui a pas fait la reproche comme quoi, euh, sa béhéma... Elle n'avait pas le droit de sortir avec cet objet, ni al Ça veut dire, la Mishnah dit paratom, malgré que ce n'était pas sa para. Elle appartenait à sa, à sa voisine. Mais le fait que lui, il était un hacham, il était un hacham, un grand hacham, il avait l'autorité de dire à cette femme, eh, s'il te plaît, Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela. Il ne l'a pas fait. Alors, c'est pour ça qu'il est responsable. D'ailleurs, on vient d'étudier la paracha de Noah. Hein? Qu'est-ce que la Torah elle dit là-bas La Haftarah, elle dit Qui met Noah Zotli L'eau de Noah, le Maboul de Noah. Et la Gemara, elle pose la question Est-ce que c'est le, le, le Maboul de Noah C'est pas Noah qui a amené le Maboul. C'est un qui a amené le Maboul. Mais on, on l'attribue, on donne la responsabilité à Noah. Pourquoi Parce qu'il il aurait pu. Il aurait pu empêcher le Maboul s'il aurait fait aux gens euh, des reproches pour revenir au bon chemin. Mais le fait qu'il ne l'a pas fait, alors comme s'il est responsable. J'ai une question. Que les... Alors la même chose, Rabbi El-Azhar. Oui, vas-y. Est-ce que les, les femmes, les hommes, on, on peut mettre des bijoux, des choses en shabbat? Oui. Un bijou pour un homme si. Euh, euh, non, il pas Shabbat. Oui, le Shabbat. Le Shabbat, oui. Alors pour pour l'être humain, non non, c'est pas un C'est c'est un bijou, c'est mais pour la bhéma, hein, hachamim, ils ont dit que c'était pas non, bon. que c'était en plus. OK, la querelle continue. Alors ça c'est entre parenthèses. Vous savez que le Talmud, il était écrit, euh, euh, il était écrit par euh, des rabbins, mais des fois, les, les, les gens, ils étudiaient le Talmud presque par cœur. Et des fois, ils, ils avaient des doutes euh, si c'était Rabbi Hanan ou si c'était Rabbi Yonathan. Parce que les noms, ils se ressemblent un peu. Et, et puis, dans tout le Seder de Moed, c'est Hachamim là, quand il y avait Rabbi Hanan, il disait Rabbi Yonathan. Ok, maintenant, la continue le sujet. Call me. Ils étudiaient avec un groupe ou des non, fois le rabbin qui enseignait. Des fois, il, il n'était pas sûr qui a dit tel enseignement. Kol mi shalolim Tout celui qui peut faire des reproches aux membres de sa famille s'ils sont pas dans le bon chemin, pas alan shebeto. Comme s'il a une responsabilité, parce que le fait que tu, tu aurais pu les empêcher de ne pas faire telle ou telle chose et tu ne l'as pas fait tu as une certaine responsabilité. béhançehiro tout celui qui est ça veut dire il a une certaine autorité sur toute la ville ou sur tout le village ou sur toute la communauté un rabbin etc il a une responsabilité de faire des reproches aux gens. Aujourd'hui, il faut faire attention avec ça. Hein. <laughs> hein, faire des reproches aux gens, c'est pas c'est pas chose facile. Il faut savoir comment le faire et il faut savoir bichlal s'il si faut le faire ou pas. La Gemara elle dit comme ça. Comme c'est une mitzvah de dire quelque chose que tu sais que la personne elle va t'écouter, c'est une mitzvah de ne pas dire quelque chose si tu sais que les gens ils vont pas t'écouter. Pourquoi? Parce que si, si tu leur dis pas, au moins on va dire ils sont ignorants, mais si tu leur dis ils vont pas t'écouter, ça veut dire ils savent. Et ils, Et ils ne veulent pas. Alors, euh, ça, ça ah, devient plus grave. Alors, alors Donc, il faut, il faut éviter. De... En règle générale, la elle dit. D'ailleurs, je pense que Rabbi Akiva, il a dit. Je ne sais pas si quelqu'un de nos jours, il sait comment faire une reproche à quelqu'un. Parce que la Torah te dit. Ça veut dire, tu peux faire une reproche, mais tu dois pas le blâmer. Ça veut dire tu dois pas lui donner un sentiment où il va se sentir mal dans sa peau, parce que comme si tu as, comme si tu n'as pas accompli la mitzvah. La Torah dit, Vélotissa à la fête et ne mets pas la faute sur lui." Et ça c'est pas, c'est pas chose facile, hein. Alors en tout cas, b'chol olam » celui qui a une responsabilité sur le monde entier pour faire des reproches. Qui a aujourd'hui une responsabilité sur le monde entier Obama. <laughs> il est responsable. Ça veut dire chacun selon ses responsabilités. galuta al Alors. Euh bez Galuta, ça veut dire c'était comme le président de la communauté juive. Il avait une responsabilité sur, toutes les, sur tous les gens de la communauté. Qu'est-ce que le pasouk veut dire Le prophète Ishaïa il dit, Hachem va juger Zikne Amo, les sages de, de son peuple, Vesarav. Et les, et les ministres et, et les présidents. La Gmara dit comme ça. Euh, alors, la Gemara, dit comme ça. Im Qu'est-ce que ça veut dire Zikne Si les, les, les ministres, ils ont fauté, les, 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 les représentants du peuple, ils ont fauté. Mais les Hakamim, pourquoi Hachem, il va les juger aux Hakamim? Les Hakamim, eux, ils, ils n'ont pas fait de aberot. Et la Emma... על זקנים שלא מיחו בשרים. זאת אומרת, השם היווה פוניר, לפרופט ישעיה ילדי, השם היווה פוניר לחכמים, פסקו לחכמים אינם פאפי דרופחוש או שרים, או רספונסאבל דולביל. רבי יהודה הווה יטיף כמא דשמואל, עתה הייתתה Cette femme, la elle raconte une histoire. Ravi Ouda, et Shmuel, ils étaient comme des juges. Et cette femme, elle est venue, elle a commencé à se plaindre de quelque chose qui lui faisait mal. Et le Hacham, il n'a pas fait attention à elle. Il n'a pas pris en considération. Amar la osno, mitza il y a un passage très intéressant. Otem ozno, celui qui ferme son oreille, dal. Quand un pauvre, quand quelqu'un qui est dans une situation de faiblesse, il vient et il crie, il demande qu'on lui fasse justice. Gam Alors si on n'écoute pas dal, cette personne là quand elle va prier à un loyahane. Hachem, il ne va pas l'écouter. Pourquoi Absolument. Comme on a dit plusieurs fois, Mida Keneged Mida. De la même manière qu'on se comporte avec les autres, soit pour le bien, soit pour le mal, Hachem, il se comporte avec nous de la même manière. C'est comme on a dit, Hachem Tzilcha. Hashem c'est comme l'ombre de la personne. L'ombre, tu lui montres une main, il te montre une main. Tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. midak Keneged « Amarle !» Alors, qui a fait ce, cette reproche Rabbi Yehuda, il a fait cette reproche à Shmuel, parce que Shmuel, c'était le grand hacham, et Rabbi Yehuda, il dit « Voilà, cette femme, elle est venue, elle a crié, elle a pleuré, et tu n'as pas fait attention à son cas !»« Amarle !» Alors, Shmuel, il a répondu à Rabbi Yehuda, il lui a dit « Shinena. Rabbi Ouda, on, on l'appelait Shinéna. Alors, Shinéna, ça veut dire parce que « Hayam C'est comme c'est marqué, on dit dans le schéma. « Veshinnantam lebanecha » Shinantam, ça veut dire « Il faut enseigner la Torah à tes enfants. » Alors, Rabbi Ouda, il était un grand enseignant. Il connaissait beaucoup de, de Torah. Alors, des fois, au lieu de l'appeler Rabbi Ouda, on l'appelait Shinéna. « Reshech hein? bekarire » Recha behamimé. Alors ça veut dire, il lui dit comme ça. Il dit si moi Recherch, ça veut dire moi il était le rabbin de Raviouda. Il dit moi, je suis ta tête, ça veut dire je suis ton rabbin. Moi je suis dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, pardon, bekarire. Mais recha mais la tête de ma tête behamimé, elle est dans de l'eau bouillante. C'était, c'est comme ça qu'il s'exprimait au Talmud. Ça veut dire comme s'il a voulu lui dire. C'est pas moi qui est responsable. Parce que moi, je suis juste le rabbin, disons, de, du collège euh, Col ou bien de ce petit village. Mais il y a un super, un grand rabbin, et c'est lui qui a la responsabilité de régler ce genre de problème que cette femme, elle a voulu elle a voulu qu'on qu lui règle. Hayatif Marukba. Marukba, il était le grand hakam. Av bedine il était la tête du tribunal rabbinique, d'Iktiv, Bet David, « Kohamar Hashem, dinu la boker mishpat, Gazoul, gazul, miyad Ashouk, parce que ce pasuk, il est extraordinaire. Il dit, le prophète Irmiah, où il dit quelque chose d'important. C'est quoi le rôle d'un homme communautaire responsable de la communauté ou un représentant de de la ville, un, un député ou un ministre ou quelqu'un qui qui a une haute position de pouvoir faire des changements, il dit le prophète Mía, Hatsil ou Gazul Mía Ça veut dire il faut toujours essayer de défendre la personne qui est faible. C'est ça le travail de quelqu'un qui est responsable. Ça veut dire il faut toujours être à la défense que ceux de ceux qui n'ont pas la force de se défendre eux-mêmes, et ça c'est un ça c'est un message très très important. Alors c'est ce qu'il lui a dit, c'est ça la discussion de Ravi Houda et Shmuel et l'enseignement de de ce Talmud. Vous savez on dit dans le on dit le vendredi soir de Bamé Madlikin, Bamé Madlikin ou Bamé Madlikin. Alors l'homme il doit dire aux membres de sa famille qu'est-ce qu'il doit leur dire avant Shabbat et il leur dit, est-ce que vous avez fait le Maaser Est-ce que vous avez fait le Eyruftafchilin tafshilin et s'il vous plaît, allumez les bougies de, de Shabbat. Alors là-bas, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire Adam l'Omar Beto. L'homme, il doit dire ces trois choses avant la rencontre de Shabbat chez lui à la maison. Bien sûr que c'est chez lui à la maison. Il va les dire où Il va les dire dans la rue. Alors, Hachamim ils disent comme ça. Ils disent quand l'homme il fait, il donne des ordres aux autres, il faut le dire calmement, parce que des fois quelqu'un si quelqu'un il crie, on va l'écouter même dehors. Alors il dit comme ça. elle dit quand tu dis à quelque chose quelqu'un, toujours il faut commencer par une parole douce et finir avec une parole douce. Mais si tu commences fort, alors tu ne vas obtenir rien du tout. Alors c'est ça le haïnian. Ça veut dire qu'il faut être doux quand on fait des reproches ou quand on dit quelque chose. Euh, et c'est comme ça que les autres, ils vont nous écouter. Le zohar, il nous enseigne quelque chose de très intéressant. Ça veut dire... La récompense de la Torah, on aura une bonne récompense quand on observe les mitzvot de la Torah, uniquement quand on comprend la profondeur de la mitzvah, le Sod. Parce que comme on a dit, il y a quatre niveaux de compréhension. Pardes, Pardes veut dire Pshat, c'est le premier niveau. Remez, c'est un niveau supérieur, c'est le premier étage. Drash. C'est un deuxième étage. Et Sod. Sod, c'est le troisième étage. Ça veut dire... Hein? Quatrième. Le, quatrième. le quatrième. Le quatrième. OK. Alors c'est ça. Ça veut dire... Hein? Le sous-sol, c'est la base. <laughs> non, on ne compte pas. OK. Bour et... Vino Amadou Nailo Eno Anumasa Zuma Senkoneneou. Bour et... Zaka'in <laughs> Eloa Les Zadikim ils ont beaucoup de mérite. mérites. Chez Nignaz Lahem, Kammatovot Laolamaba. Ça veut dire qu'Akadush Baruchou, il leur réserve dans le Olamaba des récompenses extraordinaires. Comme on a dit le Pasuk, Elohim Là, On ne peut pas s'imaginer la récompense que les Tzadikim y vont avoir dans le Olamaba. Je vous ai toujours donné un petit exemple. Prenez tous les bonheurs que vous avez eus dans ce monde-là, depuis votre naissance jusqu'à le dernier jour, et mettez-les sur la balance. Un quart d'heure de Olam Abba, il dépasse tout ce bonheur-là. Yafa Sha'a Ahad Shel Olam mi Kol Haya Olam Et la même chose aussi pour le Tsa'ar. Prenez tout le Tsa'ar que vous avez eu dans ce monde, et prenez un quart d'heure de Tsa'ar du, du Geinam. Le Tsa'ar du Geinam, il dépasse tout le Tsa'ar de ce Olam. Parce que là-bas, c'est éternel. Là-bas, c'est éternel. Et Quoi? C'est ça. Ça veut dire que si tu fais les mitzvot pendant un instant dans Olamazé, ça vaut beaucoup. Parce qu'après, quand tu vas aller dans Olamabé, tu ne pourras plus faire des mitzvot. Et la suite de Olamabé, la belle chambre de Olamabé, hein, la suite plus. Hein? C'est Elou Sod. Ceux qui comprennent, c'est pas juste euh, l'apparence extérieure de la mitzvah, mais le Sod, le, la profondeur, le secret. Comme ici, Baruch Hashem, des fois, on a expliqué un peu, des fois, c'est quoi les profondeurs des mitzvot, c'est pas juste l'apparence de la mitzvah, il faut essayer de descendre en profondeur. de Alors, comme on a dit, le Ben il dit par exemple, le chauffard. Pourquoi on sent le chauffard?

ça veut dire imiter quelqu'un, ça veut dire comme on a dit, rahoum La Torah dit euh, on, il faut s'attacher à, à Kadosh Baruch Hu et le Talmud y pose la question comment on peut attacher à Kadosh Baruch Hu On ne le voit pas. Alors, il faut être attaché aux qualités que Kadosh Baruchou il dit, comme on dit, il y a 13 000 d'autres de qualité, chacun veut dire quelque chose d'autre. Alors la même chose, nous devons <laughs> nous, nous imiter à Kadosh Baroukou. Hey. Il dit, pour connaître le sort de la Torah, il faut... S'asseoir et étudier la chokma, ce pas des choses qui peuvent venir comme ça facilement. Ou mais ça veut dire, ils font attention à chaque virgule, à chaque chose de la Torah. Pourquoi on fait ceci et pourquoi Ça veut dire, ils font attention. Parce qu'il y a deux manières de faire les mitzvot. Il y a ce qu'on appelle mitzvot anashim melumada Ça veut dire la routine. Je viens, je mets les tefillin, je pose le talit, je vais shahrit, aleinu les shalom al-israël. Mais il y a le havin birurat varim de comprendre pourquoi tu fais la chose et c'est ça le hinan de sod hamitzvot le havin biruro davar zeladaat ribonam elohim sheribonam et ces gens-là qui essaient de faire les mitzvot méticuleusement hakadosh barchu mistabach bahem hakadosh barchu il se glorifie avec eux bechol yom elohim shenichnasim ben haelyonim hakadoshim quand ils viennent au olama ba Hashem lui leur dit vous vous allez monter au premier étage hein ou au quatrième étage comme on a dit ve elu nichnasim bechol hasher arim shel ils rentrent dans toutes les portes du Gan Eden ve en mishim ebe adam et personne ne peut leur dire hey, tu peux pas rentrer ici ashre helkam ba olam azeh ba olam soit leur part dans ce monde et dans le monde à venir, et Avraham Voilà, Avraham Ça veut dire que Avraham Avinu, il a compris le saut de toute la Torah, même que la Torah n'a pas été donnée. C'est quoi le saut que Avraham Avinu il a compris C'est d'être bon envers l'humanité entière et de leur montrer qu'il y a Kadosh il existe dans le monde. C'est ça. Et Abraham, il a compris Abraham Avinu, tout ça. Et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu convenablement. Et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de bonnes actions euh, tout au long de sa vie, comme on a dit. C'est quoi l'expression Baba Yamim Il est venu chez Kadosh Baroukh Hu, Abraham Combien il a vécu 175 ans. Il est venu avec 175 ans. Chaque année, chaque jour, jour, il était plein de mitzvot. Baba Yamim, ça veut dire Abraham Avin nous dit à Baruch, voici ce que j'ai fait, demande-moi n'importe quel jour de ma vie. Imaginez-vous, Hashem il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait le 13 décembre 1986 si, Disons, on se rappelle. Alors bon, des fois on peut être chanceux, oui, je suis venu à la on synagogue, maîtres, on, la hein on est venu à la synagogue, on a fait Akli Israël, mais des fois si tu te rappelles qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, tu n'as rien à dire à Kadoshwarouchou. Alors c'est ça, Baba Yamim!

alors il dit Le Col c'est le Nahar, c'est comme le Gan Eden. ונהר יוצא מעדן, שממה אינם פוסקים לעולם. לא נוסרד ג'אמה. אמר רבי חייא בורי, כי אברהם לא רצה להתערב בנשי העולם ולדבק בשאר העמים עובדי עבודה זרה. איסה אלוה נהיה דטוסקיה קונטר לבונטד השם. ומשום שנשי העולם עובדי עבודה זרה, הן מטמאות את בעליהן, ואלו הן המתדבקים בהן. כי כשאברהם ידע החוכמה, ידע עיקר והשורש, ומאיזה מקום יוציאו משוטטים רוחות הטומאה בעולם, ועל כן השביעה את עבדו שלא ייקח א ici, le Zohar il dit il dit quelque chose, il dit et pourquoi dans la paracha de cette semaine on parle de deux choses on parle de la mort de Sarah et du mariage, et du mariage de Yitzhak la paracha elle commence par la, un, un événement triste et Simcha. ensuite un événement de Simha. d'ailleurs entre parenthèses je vous dis ça, au Beth Amikdash il y avait deux portes quand les gens ils venaient pèleriner il y avait deux portes il y avait Sha'ara Hatanim il y avait Sha'ara Avelim Avelim, c'était tous ceux qui ont perdu un membre de la famille pendant cette semaine là-bas. Ils, ils allaient à une porte de, à l'extérieur du Beth oui. et les gens y venaient leur présenter les condoléances. Hein? Et il y avait Shaara Hatanim, tous les Hatanim qui se mariaient, wow. ils venaient là-bas. Et il y avait un grand qui douce certainement. Et il y, avait, il y avait, la grande joie. Alors c'est ça. La parasha elle, elle commence avec Shaara Avelim, elle, elle finit par Shahar Ha-Hatanim, le mariage de Itzhak Avinu. Et pourquoi, et pourquoi Avram Avinu... Attends, tu dois répondre à cette question avant de partir. Pourquoi Avram Avinu, il ne il voulait pas une fille de Kenaan pour son fils Eliezer. Pour son fils Itzhak, il a envoyé Eliezer à Haran pour lui chercher une femme. Pourquoi il ne voulait pas... C'était des idolâtres, non? Ok, c'était Abodazara. Mais Halal aussi, c'était des idolâtres. Voilà. Voilà, parce qu'ils étaient revenus à Abodazara, ils étaient aimés, mais autre chose. Parce que Kenan, ils étaient. Noah, il a maudit Kenan. Arur Kenan. Eved Abadi Mihiel Ehaav. Alors, il n'a pas voulu. Il a dit le Medrash, dit comme ça. Abraham, il a dit Eliezer. Ani Baruch, moi je suis Baruch, parce que Avraham a vu où il vient, d'où il vient de Shem. Et Kenan Hem Arur, ils sont maudits. Et celui qui est béni, il ne peut pas s'attacher à celui, à celui qui est mauvais. Alors c'est pour ça qu'il a envoyé Eliezer pour chercher une femme de, de Haran. Kenan, c'est des, des de Hein? Non, c'est c'était avant Esav, C'était dans l'histoire de Noah. Il avait trois enfants. Oui. Shem, ah, Ham, Veyephet. Et Kenaan, il était un petit-fils ah. de Ham. Alors... Euh, Esav, et... ils ont Esaf, ils sont... euh, Non, non Esav il est un de, descendant de... Euh, de, euh, me... Is... hein? de... Yaakov, 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 De... De... Alors, il a. C'est. Et ça vous, Edom. C'est les Romains. Cette génération, était n'est pas là. C'est ça. Aujourd'hui, il, il y a ce qu'on appelle. Euh, euh, tous les goïms, aujourd'hui, on les appelle euh, Edom. Hein? Edom, ouais, Edom. C'est ça. Ok, maintenant, Arambam.